Ah, bienvenue chez Chef JM, hein. Aïe, chaleur des îles. Et bon appétit, bien sûr, hein. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Viens le voir dans sa maison, tu verras son espadon. Viens le voir dans sa cabane, tu pourras goûter sa banane. Viens le voir dans son salon, tu pourras tâter ses rognons. Viens le voir dans sa cuisine, il y aura peut-être les voisines. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Va te la donner, Chef JM, oui. Viens le voir dans son bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens le voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce montée. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Chef JM, oui. Viens le voir dans son bateau.
bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens le voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce montée. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, oui, oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Et bonjour, salut Muriel, c'est Ours dans la ville. Comment allez-vous? Est-ce qu'on est bon au niveau du son? De l'eau. Un petit mug. Petit mug de Gibus aujourd'hui. Salut Scarab. Petit mug de Gibus. Tac. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous passez une bonne journée, c'est pas fini là. Que 15h. Chaud déjà. Il fait déjà vraiment des températures. Première fois que j'arrive avant le début du live et je profite de la petite musique. Ah, tu la connaissais pas, Fruity and Curly? Petite musique des mini-cats, je suis tranquille à côté de la clim. Eh ben, reste-y parce que moi, vraiment, j'ai pas la clim, vraiment, c'est difficile. Et salut BG, comment tu vas? Ouh, non, le son est incroyable. Mdal, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ça a bossé, ça c'est en repos. Ça va, il fait chaud. Là, quand je fais les streams, généralement je travaille à 17h30, sauf le mercredi où on fait un petit... des petits, comment ça s'appelle? Un mercredi cuisine, donc on prend deux streamers cuisine et on fait un petit planning pour Soto Red. Et généralement le mercredi, je suis là dans l'après, mais il fait ultra chaud. Ouais. C'est des bananes flambées? De quoi tu parles, ours dans la ville? Aujourd'hui, non, les beignets de bananes, ça va être des bananes normales. T'es un fou de te mettre derrière les fourneaux avec cette chaleur. Ah ben... Faut, on est là, hein. Dans tous les cas, si j'avais stream, ça aurait été le soir ou à 17h30, mais il fait chaud quand même. Et salut Sandrine, bah ça fait longtemps, bah ouais, tu viens plus voir mes streams. D'où l'hydratation. Hydratez-vous, mal de dos, pas pu faire grand chose. Amsterial, babeng. Comment ça va? Du coup, aujourd'hui. J'ai pas tout sorti parce qu'il fait 2000 degrés. J'ai trouvé des petites fleurs de courgettes. Qu'on va sûrement faire aujourd'hui parce que ça se garde pas. On a une petite pêche. On a une vieille courgette. Les bananes pour les beignets de bananes. On en a trois, elles sont bien mûres. Et puis après, on va voir. C'est quoi le menu? Quand tu streams, je bosse souvent. Ah bah oui, je devrais stream comme Elemental à 2h du mat. Beignet de banane, c'est bon, sauce chocolat, bricoton, tarte aux pêches et peut-être beignet de fleurs de courgettes. On va voir. On va voir si au niveau du timing, parce qu'il faut que Gibus commence à 18 aujourd'hui.
Donc ça nous fait 2h30 de stream tranquille. À partir de 10h, c'est parfait. Bah de toute façon là après ce dimanche je stream pas. Ce dimanche je stream pas parce que j'ai un mariage, du coup soit peut-être vendredi. Ça y est, j'ai faim, c'est que je sors de table. C'est que t'as pas assez mangé. C'est que t'as pas assez mangé. Et la tarte aux pêches. Ouais, parce qu'il y a plein de monde qui font de la tarte aux pêches. Et je me dis, vas-y, je vais en faire une aussi. Hop. La tablette, elle est ready. On va commencer. On va commencer par quoi? On va commencer... 1 kg de bœuf solo. Ah oui, non, t'as assez mangé, frère. Oui, non, t'as assez mangé. T'as mangé quoi? Une côte de bœuf? 1 kg de bœuf? Attends, mais 1 kg, c'est énorme. D'ailleurs, je reste pas longtemps, je vais au lac. Mais on va se voir ce soir. À skip. À skip. Mais tu vas au lac à cette heure-ci, là? Il fait 2000 degrés. Je suis en train de réfléchir. On va commencer à faire la pâte à tarte. On va commencer par faire la pâte à tarte. Comme ça, elle a le temps de reposer au frigo. Après, on va faire les briques. Puis après, on verra. Donc, on a dit farine, sucre, du beurre, un œuf. Après, j'aime bien le mercredi cuisine. Le mercredi, quand tu commences dans l'après-midi, tu finis pas trop tard. Et après, genre... genre, t'es bien après. Genre, t'as ta soirée, t'es tranquille. Alors, quand tu streams le soir un peu... Tu finis à 21h, le temps de ranger, de faire les photos, machin. Après, vraiment, t'as la flemme. Allez, tac. Ça. Les petites boîtes. Et ça chauffe, Alors, attends. Côte de bœuf de Galice, c'est normal, 1 kg pour une côte. Oui, après. Oui, parce qu'il y avait l'os. Le temps d'arriver, c'est 17h, c'est parfait. Je suis un pur carnivore. Ah, t'aurais dû manger des féculents, ça t'aurait calé. Ça dit quoi, chachachou? Non, c'était 1,2 kg avec l'os. Ok. Et Jeremy Land, qui nous a fait un stream cuisine des familles, c'était hier? C'était hier. Allez, 250 de farine. Alors, je fais gaffe parce qu'en fait, j'ai le ventilo face à moi. Et il faut que je... Je suis en train de réfléchir si je fais pas la moitié plutôt. En fait, je vais faire que la moitié. Je vais pas en faire une grande. Je vais faire la moitié. Donc, on va dire 125. On va faire une petite pâte, on va faire une petite tarte, parce que sinon après j'ai des restes. Je mange rarement des féculents ou des légumes, je digère mal si je mange pas de viande. C'est vrai ça? Oh, c'est bizarre ça. Ça c'est des excuses de j'aime pas les légumes. Du coup, le beurre. Tac. Attends, je vais juste regarder si c'est la farine. Le beurre. Le beurre 70. Salut abeille, pompé. Je sais, c'est mauvais pour la santé pour une personne lambda. Ah, après, si. Bah, pour non, en vrai, plus de 10 piges à bouffer des rations militaires. Ça m'a tout dérangé. Ah, putain, ouais. Ah, bah là, oui, là. Après, tu peux réintroduire, hein. Tu peux introduire. Tu peux manger viande, légumes, tu vois. Enfin, c'est surtout qu'il va te manquer des fibres. Pour le transit et tout, c'est pour ça. C'est pas tant, c'est mauvais pour la santé, même si ça allait un petit peu. Mais c'est surtout pour ton transit. 80. Bah, 10 grammes de plus.
Je mange beaucoup de... Ah, bah si tu manges des fruits, c'est bon. Si tu manges pas des fruits ou des légumes, c'est bon. Si tu me dis que t'es full viande, c'est chaud. Je pense, hein, après. Alors là, j'ai coupé mon beurre en petits dés. Je vais le remettre au congèle. Enfin, au frigo. Ouais, au congèle, parce qu'en fait, il fait extrêmement chaud. Il faut que le beurre soit froid. Et comme ça, ça vous permet de faire nos autres pesées. Donc la farine, sucre, pardon. 30 grammes. C'est tellement chiant de suivre une recette. Hein. Oh. Bon, en pâtisserie, j'ai pas le choix. Néné. C'est puits d'eau. Qu'est-ce qu'il veut pour la... manger que de la viande? Manger que de la viande. Ou manger que d'un seul truc. Ok. Équipe. Bang. Équipe. Allez, ça c'est bon. Non, on a fait nos pesées. Il nous faudra juste un jaune d'œuf. Je suis en train de réfléchir à un truc. Et vous avez mangé quoi là les autres? Ce qui vient d'arriver là, parce qu'on s'est la nuit. Il y a eu une côte de bœuf de Galice. Viande des maillots, bien sûr. Blanc de poulet maillot. Moi. Quel est l'aliment qui va le mieux avec la maillot? Là, on pose un vrai dilemme. Rien fusé, salade, tomate, ou sera mal, Sophie. On pose un vrai dilemme. Qu'est-ce qui va le mieux avec la maillot? L'œuf, abeille, les patates. Ça commence tôt aujourd'hui, salut, bon maître. C'est parce qu'on est en mercredi cuisine. Mercredi cuisine, c'est assez spécial. On réunit des streamers qui font de la cuisine et on se fait un planning. Je peux commencer le matin, je peux commencer le soir pour arranger tout le monde. Moi, comme je... Le mercredi, je suis libre, je compense les trous qu'il y a, qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, mercredi cuisine, ça, c'est la seule à toi. Les crevettes, moi pour moi c'est les crevettes. Le thon avec des capres. Déjà ? Le gâteau aide, bruh. Bah alors ? Regarder mes niveaux de batterie. Pourtant, elle est branchée. Patate égale sous toutes ses formes, frites, etc. Bah, purée mayo, je suis désolé. Purée mayo, ça matche pas. Autant frites mayo, ok, banger. Et purée mayo, pas sûr. Moi, pour moi, c'est crevette. Crevette avec une bonne mayo un peu... Oh là là, un peu relevée. Avocat mayo. Non, avocat mayo, je trouve. Poulet. Thon. Ouais, thon mayo, c'est un banger aussi. Salut Etienne. Tout avec la mayo. Purée mayo, j'ai déjà testé. C'est pas ouf, mais ça passe. What? Chips mayo? Moi, dans le top 3, j'aurais dit crevette, œuf. Et thon. Et si on veut faire un banger, on mélange du thon mayo, on met ça dans un œuf. Raclette. Vous me fatiguez. Donc la pâte, ça on va la faire tout à l'heure. On va passer à notre purée parce que j'ai envie de faire un truc. On va faire nos briques.
suis en train juste de réfléchir à est-ce que je les badigeonne. Je les badigeonne pas. Je les fais au four, je les frie. Donc ça, vous vous rappelez, on a fait les pommes de terre sur le dernier stream. Donc c'est un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. J'ai rajouté de la ciboulette et des oignons rouges. Œuf mimosa. Mimosa, c'est pas mal aussi, œuf mimosa. Allez, on repart sur des débats. Quelle est la meilleure forme d'œuf? La meilleure recette d'œuf, plutôt. Recette d'œuf. Œuf mimosa, omelette, œuf poché. Salut à Cédar. Et là, je vais juste rajouter du thon. Comme ça, on a un mélange pommes de terre, thon. Donc là, je vais l'émietter. Mimosa au plat. Au plat, excellent. À la coque, c'est pas mal aussi. Cru. Il y en a qui les mangent ça cru. Le poché, il y en a, ils sont pas... Quand ça coule, là. Et je vais rajouter un peu de Philadelphia. Fromage frais. Le jaune coulant, c'est toujours banger. Je vais mettre ça. Et après, on verra. Les œufs façon japonaise, comme... Ah, des œufs durs un peu marinés. Enfin, ils sont pas durs. Ils sont mollets, marinés. Oh, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Petit œuf mollet mariné. On dit jamais non. Salut, Zine. Au plat, un peu de sel et des mouillettes, excellent. En crêpe. Non, mais ça... ça compte pas, ça, en crêpe. Ouais, mariné, ouais. Non, moi j'aurais dit. Il y a personne qui a mis omelette, hein. Omelette. Ah non! Non, non, je sais ce que je préfère. Les œufs brouillés. Les œufs brouillés, banger. J'ai vu des recettes en jaune d'œuf en condiment. C'est bon, c'est très très bon. Puits d'eau. C'est très très bon. Généralement, ils les font mariner. Enfin, confire avec du sel ou dans du jus ou dans du vinaigre. On en a fait une fois et franchement, c'est vraiment pas mal. Mimosa alors avec un peu d'ail dans la mayo ou dans un avocat. Ok, là on va venir goûter. Ouais, je pense que je suis pas mal en texture. On va regarder ça comme ça. Si ça manque de sel, de poivre, de quelque chose, vous rajoutez. Et là, alors, je suis parti un peu loin dans ma recette de feuilles de brique. Deadly Brune, c'est pas goûté ça. Alors c'est quoi? N'hésitez pas à me donner les termes.
vu que vous avez les termes techniques. Manger. Oui, c'est notre terme pour dire goûter. Donc là, le truc, c'est que mes bris, je vais les faire en cylindre. Enfin, c'est ce que je vais faire. Après, je sais pas si ça va marcher. Du coup, la farce, je vais la faire en cylindre, en boudin. Mais le truc, c'est que c'est à la cuisson, est-ce que ça va tenir? Donc, j'ai pas mangé, les gars. Salut, Batman! Ok. Je sais pas si je le fais plus petit, le boudin ou... Ok, donc là j'ai juste fait un boudin, je vais le mettre au congèle. Voilà, on est parti sur des expériences aujourd'hui. Juste pour qu'il garde la forme et après on verra ce qu'on en fait. Pendant ce temps, hop, on récupère le beurre, la farine. Ça, on remet ça là-bas. La purée, on la garde. Ça, je pourrais faire des boules après et le paner et le faire frire. Il en reste. On va mélanger ça du bout des doigts. On va récupérer notre œuf à côté. À streamer vers 15h, 16h, t'as envie de faire la sieste en vrai. Quoique là, c'est l'heure du goûter. Hein. Mais une banane, ça va aller vite. J'ai de la pâte à tempura à passer, on va la faire en version sucrée. Pareil, là j'ai le... Je vais voir. J'ai acheté du poisson aussi. Sur du poisson pané, peut-être je le ferai vendredi. À voir si je stream vendredi, là, peut-être que je serai pas là ou je serai en retard. Donc là, on fait une petite pâte sucrée.
Là, on a mis du beurre bien froid dans notre farine. On incorpore du bout des doigts. Voilà, on est pas mal. Je vais rajouter le sucre. Non, je dois mettre en demi jaune d'œuf. Comme ça, vous pouvez le faire au robot aussi. Alors attention au robot, ne pas le faire trop rapidement, sinon vous allez donner une grosse élasticité à la pâte. Mais c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais donc ouais, faites-le à la main. Alors normalement, on peut la travailler directement sur le plan de travail. C'est beaucoup plus facile que dans un bol, mais c'est juste que là au moins, je salis pas le plan de travail. La flemme. Et le bol. Si j'en ai pas besoin, c'est le lave-vaisselle qui va le laver. Ok, on est vraiment pas mal. Salut Angie! Ouais, une belle pâte. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bon, j'ai bien fait de mettre que le demi-œuf. Et salut Miaou! Comment ça va? Alors, je sais pas si Miaou, c'est toi qui a donné la raclette au Minicat. Je pense que oui. Incroyable. Incroyable. Est-ce que... Attends. Point d'exclamation vlog. Point d'exclamation vlog. J'ai sorti le nouveau vlog et on voit, vous verrez à la fin la raclette des Tohu. Une demi-meule, vraiment. Normalement, c'est le nouveau vlog. Si j'ai changé le lien. Oh! Mais non! Mais non! Ena Olf! La plaisanterie est terminée! Et salut! Salut JM! Salut Maé! Comment allez-vous? J'allais dire le nom de votre commu, mais je sais pas comment elle s'appelle, la commu de Ena. Rebanane! Est-ce que ça s'est bien passé, ce stream Cuisine React? Salut The Siege. Je découvre ta chaîne avec le raid. Bienvenue à toi, Banane. Salut Shroom. Et merci pour le SO, Sachouaina Olf. Est-ce que le brownie est cuit? J'ai pas... Est-ce qu'elle a fait une prédit même? Bienvenue à tous, merci pour les follow. Merci Joey. Minen Green, on parle de demi-molle, on arrive. Ok, eh ben, la pâte, là, regarde. Elle est pas molle, mais elle est pas dure. Elle est en demi-molle, pareil. Je vais redonner des demi-molles le 19 au mini. Eh ben, attends, on peut pas passer commande, miaou. Et salut, Albartos. Merci pour le gros raid. Elle s'est barrée, là, c'est ça? Je vois qu'elle répond pas, parce qu'elle est pas sub. Non, mais je la connais. Je la connais. Noni. Mais viens, je peux pas, je bosse. Miaou, je bosse. L'été, moi l'été, je peux pas bouger. J'ai tous mes mariages et tout, c'est pour ça que... Ou je peux bouger dans la France, quoi, mais... Mais bouger, c'est chaud. Salut, Error. Je commande, je sais pas comment, pour les fromages. Pas top par la poste. Ah ouais, non, mais je sais. Non, mais de toute façon... Miaou, envoie-moi un DM. Parce que après, moi, je revois les Minicats début septembre. Noni. Ouais, merci, Freeze. Non, Free. Freeze the Reuse. Origatamari. Pour les follow, j'ai le chocolat dans le titre. Ah, ben... Il y en aura un petit peu. Notre pâte, on va la mettre au frigo. Ça, c'est une pâte sucrée pour faire notre tarte aux pêches. On va la laisser au frigo tranquillement se reposer.
Voilà. Tac. Derrière, nous, on va se faire mariner les petites pêches dans du rhum, évidemment. Je vais dire, ouais, dans un petit sirop. Non, dans du rhum. Dans du rhum. Une raclette légère, ombroni au verre de... Ah oui. Quand elle a ouvert, Ena, quand elle a ouvert son placard à bonbons, j'ai dit, mais wesh, il y avait 10 paquets de bonbons, genre, entamés. Genre, qui entame ces paquets de bonbons et qui les finit pas? Personne fait ça. Leur en donner 4 et ils se démerdent. Le supplément de bagage, vraiment. Non, mais après, mais où en vrai, je viendrai, il faut que je vienne en Suisse. J'ai jamais fait la Suisse. Mais non, je viendrai. Je t'ai écrit, ok. Je verrai si c'est possible avec les minous, mais sinon, je viendrai. Pas le choix. Que des All-Stars dans le vlog. Et salut les mentales. Un enfant. Non mais genre, il y en avait beaucoup. Hein. Enfin, même moi, ça m'a... Je me dis, ouais, c'est... Alors, c'est là, on a une pêche qui est fatigax. Je vais les recouper après. Hein. Là, je suis en train de voir si elles sont pas... Si elles sont pas trop mortes. C'est ça que je fais une tarte, hein, vu que c'est des vieilles... Les vieilles pêches. Faut qu'on aille faire un stream chez Sandrine Chef sur sa chaîne. Mais elle habite où, Sandrine? À devoir qu'elle chocolat, je me contente de chocolat à pâtisserie Nestlé. On m'a fait comprendre que c'est pas... Alors, Iror, c'est pas ouf et je vais utiliser ça. Mais c'est pas ouf du tout. Pour le peu que je vais utiliser... Généralement, moi, je prends du Valrhona. Il s'appelle le Manjari. C'est... D'ailleurs, mais c'est pas grave. Faut qu'on s'appelle chef. Eh ben, oui. Tu vois, Elemental, je l'ai tanné pour faire cette émote réunion. Il a dit ouais, je vais la mettre, et puis je l'enlèverai un jour. Il n'a jamais enlevé. Mais Mad Mike, t'as l'oreille en tout cas.
Attendez, je vais mettre celle-là plutôt. Moi, s'il y a des trucs qui rentrent pas, on va les bouffer. Ok, ça, ça rentre pas. Petit rhum. Bien évidemment, le meilleur rhum du monde. Et c'est un brunch. Faut payer les mentales. Faut payer. Si tu veux du piano, faut payer. J'en mets vraiment un petit peu. Tac. Et après, le rhum qui est là, on va le garder, on va pas le jeter. Je vais mettre un peu de sucre. Voilà. Ce que vous faites avec vos gousses de vanille quand vous les avez utilisées, elle a grave bougé là, la cam, elle est descendue de ouf. Quand vous les avez utilisées, vous les gardez et vous les mettez dans votre sucre et ça vous fait du sucre vanillé, simplement. Et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les enlevez, vous les mixez dans un mixeur assez puissant. Et ça vous fait de la poudre de vanille. Et là, votre gousse, vous l'avez rentabilisée au maximum. Salut Alex, tout qui bug. Allez, le rhum, on le range. Et ça, on le met au frais. J'ai mis du sucre partout. Et on va le faire reposer tranquille. Allez, bang! Tac. Et je pense qu'on va préparer ça. Ça, on va faire des boules. Des petites boules. On fait quoi dans la poudre vanille en général? Mais tu mets ça dans les gâteaux pour remplacer les extraits de vanille. Parce que sachez que la poudre que vous achetez dans le commerce, c'est pas de la vanille, c'est des gousses de vanille. Comme ça, qui sont mixés. Les graines de vanille, ça ne peut pas se vendre. Ah, salut la petite italienne, comment ça va? Donc là, ça c'était notre farce pour les briques. Il m'en reste un peu, on va les mettre en boule. Et on va les paner. J'achète pas de poudre en général, c'est en mode sirop. Bah c'est pas top le... l'arôme de vanille. Alors qu'avec une gousse, ok ça coûte cher, mais tu peux faire un gâteau, tu peux vaniller ton sucre que tu utiliseras dans tes gâteaux. Et après tu mixes et t'as ta poudre de vanille. C'est des gousses pas vendables qui sont mixées. Ah, voilà, tu vois, on a les infos là, en direct. Salut franco-algérien, comment ça va? Et ça va très bien la petite italienne. Du coup, là, on va faire des petites boules. Et ça, on va le paner. Ça va être mignon ça. En plus, c'est un réunionnais qui n'achète pas de gousses de vanille. Comment? On parle bien. Soi-disant, c'est la meilleure vanille du monde, de la Réunion. Donc ça c'est très très bien pour l'apéro. Si vous avez des restes de pommes de terre, de purée, vous assaisonnez avec un peu d'oignon rouge, ciboulette. Là, on a mis du thon.
Vous pouvez mettre un morceau de fromage au milieu. Il ne goûte même pas de zouk. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. La vanille bleue. Oui, mais non. Vanille de Madagascar. J'en ramène de la Réunion quand les parents viennent. Je joue pas zouk. T'écoutes du zouk? Donne-nous trois artistes de zouk. Non, donne-nous trois artistes. Trois chansons de zouk. Dans le chat. On va voir s'il y a des vrais. Donnez un titre de zouk. Juste pour voir votre culture zouk. Et commencez pas à chercher. C'est pas des briques. Non, ça c'est pas les briques qui douillent. Ça c'est des boulettes qu'on va faire paner. Ça c'est le reste de farce. Mais non, ça c'est pas des briques. T'as bien vu, bien reconnu. Les briques, on va les faire juste après, je pense. Hein. Parce qu'en fait, il faut que je les moule. Le zouk, c'est pas la Réunion, nous c'est le Sega. Mais j'ai jamais dit que c'était lié. Et ça, on le bouffe. Lavez les mains. Nicole Skrenia, meilleur son zouk de tous les temps, c'est pas faux. Non, il a raison, il a raison. Il a dit les termes. Zouk Machine, Maldon. On est sur un classique zouk rétro, ok. Et ça, au frais. Et on va les paner tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous? Ben voilà, on a fini, on peut y aller. On va faire fondre notre beurre. Pour... Attends, je suis en train de... Les briques, je les fais au four ou je les fais frire? À la poêle. On va les faire à la poêle. On va préparer nos fleurs. Michemwen. La bouffe mille. Comment il va le Malbo? Nani. Et merci Akiko de 4. Bienvenue à toi. Il a chaud le Malbo. Ah bah comme... Je pense comme tout le monde. Hein. Alors tac, on va prendre un petit torchon. Et là, ce qu'on fait sur les fleurs, on va venir les ouvrir et on va enlever le pistil. Tac, on a un petit pistil qui est juste là, à l'intérieur. On va venir juste le déclipser. Par contre, il y en a beaucoup. Je sais pas si on va se tout bouffer quoi. Attendez, on va prendre que les plus belles. Fleur de courgette, Malbo, exactement. En plus, fan du Zouk Love. Mais il est fan de Zouk Love, il joue pas de Zouk, mais c'est pas possible. Salut Mademoiselle Infinity, salut Johan. Il a pas dit j'écoute un peu de Zouk Love, il a dit fan de Zouk Love. Et il joue pas Zouk Love. Tac. En vrai, je vais pas en faire beaucoup, j'en mangerai demain encore. On va s'en faire 4. Mais il y en a une 8. Mais j'écoute plein de trucs que je joue pas. Non, mais le Zouk, on t'a forcé. On t'a forcé à jouer. C'est pas comme si t'avais genre. T'as des amateurs de zouk ici.
Ok, celle-là elle est belle aussi. Pareil, les fleurs de courgettes, si vous les achetez, il faut les faire quasiment le jour même ou le lendemain parce qu'après. Je laisse le zouk à Técourès. Non, 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 non. Imagine le feat Elemental Técourès. Oh, en zouk. Incroyable. Quatre. 4 c'est bien, ça me laisse une marge d'erreur parce que normalement j'en reste 3. Quoique, est-ce que je fais celle-là aussi? Salut Rafifi! Je sais zouker now. Quel goût ça a les fleurs de courgettes? Alors c'est une très très bonne question, je t'aurais dit c'est un goût de fleurs de courgettes, mais est-ce que ça va t'aider? Je ne crois pas. Décrire. Je pourrais pas te dire. Le mieux, c'est de goûter. Non, je pourrais pas te dire. Salut Sultan! Le plus attendu des crossovers, Elemental. Attends, il y a qui chante? Elemental, Chachachou et Técourès sur du zouk. Oh mon dieu. Oh my god. Oh my god. Ok, on a nos phares de courgettes qui sont là. Mais attends, la cam, elle est en train de s'échapper là. Attends. Et là, elle me berne. Hop, hop. Elle est pas du tout drôle. Oh putain. Pardon pour le micro. Salut Casper. MDR, tu m'inclus dans des trucs. Ah ben, tu connais les choses, Bruno Dias. Quoi ça, Casper? Casper. Allez, nos petites fleurs, on va les mettre de côté. Putain, je me suis fait mal. Moi. Allez, derrière, on va faire nos feuilles de briques. On va récupérer notre farce. Nos feuilles de briques, j'espère qu'elles n'ont pas séché, sinon on est dans la merde. Et on va tenter des choses. Bah, évidemment qu'elles ont séché de ouf. Celle-là, on va la mettre là. Qui c'est? Mais non, leur Rafifi, le sixième mois. Et merci pour le Prime. Retour de vacances. T'es parti où? En fait, je superpose plusieurs. Même 3. Allez, 3 feuilles de briques. Haïti Bang Ben, Karimi, sensible à la gâchette, sensible à la gâchette. Bang Bang. Lucky Luke. Karimi, c'est plus qu'on parle. Oui, Karimi, c'est pas du tout. On a des connaisseurs, on a des connaisseurs dans le chat. Ok, je vais juste couper les bords qui sont secs. Lui, s'il a la fin, c'est pas grave. Lui. Ok, on a notre boudin de farce. Bon, normalement, vous prenez une feuille de brique, vous mettez votre farce et vous faites votre vie. Hein. Mais là, on va essayer de la rendre un peu mignonne.
Rebanane, re-wesh. Toi, tu parles trop mal, banane. Comment ça va? T'as fait les courses? Et là, en fait, on va le rouler. Ok. Ah non, putain, j'ai... Oh là là, j'en ai oublié une. La dernière pour fixer le tout. Ok, est-ce que ça remange une poêle? Oui, je pense que oui. Et ça, je vais juste le remettre dans un film et je le repasse au frais juste pour que la feuille de brique, elle prenne la forme. Je répondrai même pas, banane. Tac, tac, hop, ça dégage. Noni. Salut Magiflex. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Salut HV. Ok, et ça on remet ça au frais tranquillement. Les autres, qu'est-ce qu'on en fait? On va les plier, on va les faire sucrer. Comme ça, on pourra dresser des petits trucs dessus pour pas les jeter. Donc, on va allumer notre four. On va faire fondre du beurre. Et on va faire caraméliser les choses. Allez, juste un petit peu de beurre. Je pense qu'il n'en faut pas 2000. Salut Vérov! Du coup, t'as fait tes courses, banane ou pas? Ouais, ah oui, ce matin tu m'as répondu. Et du coup, t'as commencé à cuisiner ou pas? Banane, futur guest du stream cuisine, évidemment. Et celle-là, elle est un peu. Celle-là, elle est sécosse. Hein. Celle-là, elle est sécosse. Hein. On peut trouver où tes recettes? Sur Insta et sur Discord, HV. Comme d'habitude. Salut Clé! Je suis rentré, j'ai mangé, j'ai fait la sieste en plein soleil. MR, c'est le bronzage. Tac. Sur une plaque. Il va ouf. Tu vas payer sur le fou. Coucou tout le monde, mixe la sauce. Qu'est-ce qu'ils disent, les mini caleçons beurrés déjà? Comment ça? Alors le réveil. Alors le réveil, vraiment. Petit coucou, ensemble, ça marche, Dacraft. Comment ça va? Au lieu de partir en vacances, je bronze à domicile. Oui, bronze. Comme on peut.
Allez, on attend au niveau du beurre. Que le beurre il soit fondu. On fera les beignets de banane dedans, je pense. Comme ça. Non mais il est fou, obligé de faire la sieste. Mais quelle idée aussi, quelle idée, qu'est-ce que j'ai dit? C'est les vacances ou de se lever? Pourquoi faire? Allez là, je vous déteste. Quoi vous? Moi j'ai rien dit moi. Pourquoi elle parle de vous? J'ai rien dit. C'est ici. Donc là du beurre. Et du beurre. Pour la colo. Tac. Combien j'en ai? J'en ai 3. On va faire 2 et 2, ouais. Et là, on fait pareil sur. Je sais pas à quoi ça va servir, ça, mais on le fait. C'est juste pour pas jeter, quoi. Demain, Martin va faire un live IRL, il va laisser les minous dormir. Très bien, merci beaucoup. C'est important de dormir, hein. Les vacances, tout ça. Hop. Là. Fruit de la passion, je veux mon zizi. Alice, ça glisse. Ah, mais toi, t'es sur. Ouais. T'es, ça se voit que t'es pas un connaisseur de zouk. Mais. Francky Vincent, ok. Zouk rétro, classique. Ça fait le taf. Ça fait le taf.